Au filtre à eau, au filtre à eau, au filtre à eau, au filtre à eau. Au filtre à eau, au filtre à eau. Maman, j'ai fini. Donc j'appelle un peu quelqu'un ici à Strasbourg, Saint-Denis, de me donner quelque chose. Tournez à droite sur rue Saint-Laurent. Puis tournez à droite sur boulevard de Magenta. Boulevard de Magenta. Aïe aïe aïe. Le magenta, le sens interdit. Oh, ah. Welcome back, thank you, Janaba. À droite sur boulevard de Magenta. Oh, boulevard de Magenta. J'avais un truc à récupérer ici à la gare de l'Est. Ouais. Boulevard Magenta. Je vais m'occuper que je suis ici à Gare de l'Est. Ouais. Attends. Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue du Faubourg Saint-Denis. Puis tournez à gauche. Oh non non non. Oh non non non. Ah, Mijou, bonne fête à tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis de retour. Welcome à Old Lamborghini. Ça va, chérie? J'ai acheté la checker, hein? J'ai pensé à toi. Alors. Tournez à droite, puis tournez à gauche sur rue du Faubourg Saint-Denis. Oh non, non, non. Bonne fête les cœurs, bonne fête au, oh, bonne fête au. Oh. Hey, maman, le bus Imoko, il dit qu'à Paris. Hein. Bonne fête au, oh, bonne fête au. Oh. Happy New Year, oh. Happy New Year, oh. Now it's you. Ma faut donc come back au, oh. Patron a faut Facebook donc come back au. Oh. I don't come back au, oh. I don't come back au. Oh. Hey. Ouais, quand j'étais pas là, il n'y a personne pour faire. Comment vous appelez là? Vraiment, vous les commentez de Facebook. Hein? Désolé, oh. Ok. Rue de Faubourg Saint-Martin. Ok. Et puis, je vais. Comment? Tournez à gauche sur rue du Faubourg Saint-Denis. Oui, mais c'est là, rue de Faubourg Saint-Denis. Ok. Dans 300 mètres. Tournez à droite sur rue Lafayette. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue du Faubourg Saint-Martin. Rue du Faubourg Saint-Martin, d'accord. Pardon, désolé les filles. Désolé les filles. I don't come back, oh. Patron, I don't come back, oh. Il y a une personne pour faire l'intérim. La seule qui a salué la première dans la télécommande de retour. Quand je suis pas là, même mes détracteurs disent que Angala est ouf. Flore de Lille est ouf. Il tape mon mur comme si même. N'est-ce pas vous me détestez? Hein? Vous n'aimez pas que vous prenez ces nouvelles. Delphine Chami, depuis les États-Unis d'Amérique, agent de sécurité de la reine. Mais quand elle est là, non, je n'ai peur de rien. Merci pour le contrat, le 4. Le 4 mars aux États-Unis, le 8 à Caen. Le 8 mars à Caen. Pour la journée internationale de la femme, avec le big manager Junior Mobitan. Donc, la population de Caen, là, je serai là-bas hein, le 8 mars avec Maman Katino. J'accompagne l'artiste. On va fêter, sauf que Balata. Oh, fatiguée, j'ai fini de faire les courses. C'était pas facile, hein. Maintenant, il faut décharger. Là, j'ai acheté ce qu'il faut. J'ai pris la bière Castel Grenadine. J'ai pris la viande, la queue de bœuf. Mon menu, hein.
J'ai pris l'igname. L'igname, ça coûte cher. Hein? 51 euros, maman. Hey, wonderful. Oh, Paris, oh. L'igname. 51 euros, l'igname, maman. Oh, Paris, oh. C'est comment? L'américaine est là. American girl, don't come back. L'américaine est là, don't come back. How are you, baby? Baby, I greet you. Les abeilles, vous avez un père aux États-Unis, hein? Coucou, Choukré. Comment va Choukré? J'ai dormi hier, même là, j'ai sommeil, mais bon. Là, je vais à la maison, après, je vais à Lille. Non, je vais me reposer. Welcome back. Je dors, demain, c'est départ à Lille. Noël, là, je vais même préparer quoi. Choupi, arrange les marmites chez toi, hein. Quand elle vient avec ma chose, ça reste. J'ai mes marmites là-bas. Donc, passer chez les jeunes là. Quand tu arrives chez les jeunes, nous les mamans, quand on arrive chez nos enfants là, donne-moi le couteau. Il te sort un petit couteau. Tu dis que ça ne coupe pas. Tu dis que, mais, Choupi, donne-moi le couteau. Ce n'est que ça que tu as comme couteau. Tu les tues, ça t'énerve. Tu dis, mais ça ne coupe pas la viande. Donne-moi un autre couteau. Il dit que, mais maman, j'ai limé. Je dis que, merde, c'est quoi ça? Après, tu dis que, je vous donne-moi la mamie. Il te sort une petite mamie, les choses des blancs là. Dans mais... 300 mètres, tournez à gauche sur rue du Château London. Mais donne-moi une grosse mamie, tu. Il me dit qu'il veut pas qu'elle prépare trop de choses chez lui. Hé, hey, maman. Oh. Hé, hey, il faut que j'aille chercher la déco. La déco de table. Parce qu'on ne décore pas la maison, on fait que la table. Donc, oui. Est-ce que, est-ce que vous, les vieilles chouettes comme moi, ça vous fait ça avec vos enfants? Que tu demandes à l'enfant, tu arrives chez l'enfant. Oh là là. Tu les demandes les trucs, les ustensiles. Ah non, est-ce que moi je prépare ça, maman? J'ai acheté un mitumba, hein? J'ai acheté un mitumba. j'ai pensé à aider à quand on saute, quand les gens sautent là. Maman Pépé! Oh, ma quota! Comment va Gagou? Ma fille chérie, tu l'achètes un gros cadeau, hein? Un gros cadeau là. J'envoie le cadeau de ma gagounette. De ma gagounette chérie. Je suis allée tacler pour ma copine et moi. Marco, on sera chez le 31. On fait ça là-bas chez le vieux lion. Sur rue du Château London. Chez le vieux lion. C'est notre mère là-bas. On va au refuge. Au refuge. Nicole Marat sera au refuge. Bonjour Christian de Monaco. Tu vas bien? T'es cassé fidèle. Pas les braquer tous. Les abeilles, merci pour l'amour que vous donnez à Maman Pépé. Merci beaucoup. Tournez à droite sur boulevard de la Villette. Merci pour l'amour que vous donnez à Maman Pépé. Pour des personnes qui ne l'acceptent pas, je vous laisse encore le temps. Prenez votre temps. Dans la vie, on n'est pas obligé d'aimer une personne. Mais il faut respecter. Maman Pépé, c'est quelqu'un de bien. C'est pas comme si c'est que non. C'est une bonne personne. Vous savez, c'est l'être humain qui rend l'être humain méchant. Hein? Chacun réagit selon sa blessure. Chacun réagit selon sa blessure. Quand tu as mal, quand on te fait du mal, ça te bouleverse. Nous sommes toutes bien. Même Mangandako, vous voyez là, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est juste que, je ne sais pas, chacun ses blessures intérieures. Mais nous toutes, nous sommes des personnes bien. Il n'y a personne parmi nous qui peut traverser le sang de l'autre. Nous sommes des personnes bien. Mais c'est juste que c'est la nature qui fait comme ça. On ne peut pas. Quelqu'un peut te détester pour rien. Comme moi. Il y a des gens que, quand il regarde Flo de Lille, je ne l'aime pas. Ce n'est pas parce qu'elle m'a fait, mais je ne l'aime pas. Oui, c'est légitime. Tu peux regarder quelqu'un que tu n'aimes pas, mais tu respectes. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que tu vas faire la campagne pour qu'on déteste la personne. Oui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à suivre d'autres personnes que moi. C'est-à-dire que quand ils suivent d'autres, bon, c'est là, mais
C'est pas la reine mère. Parce que c'est ça, quand tu es fan de quelqu'un. Et quand tu es fan de quelqu'un, et que la personne, par exemple, moi, Fleur de Lille, depuis que je suis en paix avec Compressor, je suis bien. Elle-même, elle est bien. C'est vrai. Il y a des fans de Mafo qui aiment Compressor par rapport au fait que j'ai fait la paix avec elle. Mais c'est des personnes qu'avant, ils ne pouvaient pas la suivre. Non, 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 non. Comment? Jamais. Pareil du côté de Compressor, il y a des personnes qui me voient aujourd'hui, qui seront capables de me dire bonjour parce que j'ai fait la paix avec Compressor. Dans 300 mètres, tournez à droite. Et c'est ça qui le fait voir dans mon bon côté. Ils se disent, tournez à gauche. Au fait, Fleur de Lys, c'est quelqu'un de bien. Elle n'est pas tout ce qu'on a imaginé. Mais c'est par rapport à le star. Parce que le star le pousse à me regarder. Par rapport à l'amour que le star le montre, que non, je ne vous force pas de l'aimer, mais respectez les faits que c'est mon ami. C'est de ça qu'il s'agit. Hmm? C'est comme ça. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas supporter, même m'écouter. Mais depuis que je suis bien avec Compressor, ils m'écoutent. Pareil quand j'étais bien avec les gens des ténèbres. Il y a des personnes qui n'osaient pas m'écouter avant. Mais depuis que je m'étais arrangé avec la patronne des ténèbres, quand c'était salué au deuil, même quand vous m'aviez tiré dessus, j'ai dit non, c'est ma soeur. Du coup, il y a des personnes qui ont commencé à la regarder, l'apprécier, voir son bon côté. Parce que nous tous, nous avons des bons côtés. Mais nous sommes aussi intimidés par nos fans. Je vous explique. Il y a des fans qui poussent les stars à détester. Ça dit que parce qu'une fan n'aime pas quelqu'un, la personne va te dire, va toujours tout faire pour montrer que la personne est méchante. Nous, on voit tout. Mais il y a des choses qu'on n'a pas envie d'en parler. Parce que c'est nous qui sommes devant. On ne peut pas en parler parce que c'est nous qu'on voit. On a aussi l'image à préserver. On ne peut pas laisser couler sur nous qu'on est une image. Personne ne peut accepter couler sur soi que image de la haine. Qui peut accepter ça? Personne ne peut accepter qu'on dise que tu es haineuse. Non. Donc il y a des choses que même si je vois, je n'ai pas forcément envie d'en venir en parler. Parce que, voilà, il ne faut pas que... N'oubliez pas. Pardon. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent. Sachez-le. Vous êtes là, vous commentez. Vous nous aimez, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas obligés de dire qu'on n'aime pas tel ou tel. Parce que ça ne se dit pas. Nous sommes des humains. Un être humain, tu peux t'asseoir et dire que je n'aime pas tel. Parce que quand tu dis ça, il y a des gens aussi qui te regardent. Qui vont se dire que, mais attends, si quelqu'un se lève un matin, qu'on dit que je hais l'autre. Ce sont des choses qui ne se disent pas. On ne dit pas qu'on est. Tu ne peux pas te dire que je hais telle personne. Parce que nous sommes des humains. Qu'on vous dise aussi la vérité. Je peux voir un truc et dire que je n'ai pas. Et faire comme si je n'ai pas vu. C'est légitime. Parce que c'est quand même moi qui suis devant. Je ne veux pas qu'on me colle l'image de celle qui n'aime pas la paix, celle qui aime ceci, celle qui est ceci. Non. Même si vous êtes des fans que vous n'aimez pas une personne, ne poussez pas nous les stars à ne pas aimer cette personne. Acceptez comme ça, même si c'est faux. Apprenez à accepter ça parce qu'il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux. Vous ne vous rendez pas compte des gens que nous on rencontre. Il y a des enjeux. Même si vous m'aimez bien et que vous détestez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de répéter tout le temps « je hais tel ». Parce que quand c'est comme ça, je suis devant. C'est comme si c'est moi qui disais aux gens de dire que je n'aime. Non, jamais, je ne peux jamais recommander, je suis désolée. Je suis une fille unique et je suis quelqu'un qui a amour. Je ne sais pas détester. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas parce que je n'ai pas de caractère. Je suis quelqu'un de public. Et je ne sais pas détester. Et même si je déteste quelqu'un, je ne suis pas obligée de le montrer. Parce que la vie, c'est la politique. Parce que c'est comme ça que ça se passe. N'oubliez pas que même en disant que, en disant publiquement, n'oubliez pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas en public. Non. S'il vous plaît, monsieur, merci. Il y a des choses qui ne se disent pas en public. Je vous en supplie. 2023 va arriver. On ne déclare pas certaines choses publiquement. Parce que ça pousse les gens qui sont derrière à te regarder autrement. Moi, je suis quelqu'un qui sort dans les soirées, qui part partout. Je suis une personne publique. Regardez pourquoi certains stars, même quand on les insulte, ne portent pas plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir une certaine image.
Tu sais, quand quelqu'un porte plainte à une personne, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui joue, hein, parce que les gens n'acceptent pas. Regardez par exemple la star Lady Ponce. Avec tout ce qu'on lui a fait, vous avez vu, elle a porté plainte contre quelqu'un. Elle n'a pas porté plainte contre personne. C'est une image à préserver. C'est important de préserver son image. Ne faisons pas des choses sur Facebook pour se faire voir. Et des gens qui sont derrière, qui encouragent. Qui encouragent. Derrière, il y a des enjeux. Il y a des personnes qui se lèvent comme ça. Ils vont te détester à vie. C'est même parce que tu as fait un truc. Tu as fait une petite erreur un jour. Nous sommes bientôt à la veille de 2023. Nous sommes toutes des sœurs camerounaises. Même si on ne s'aime pas, on doit se respecter. Chacun a son couloir et chacune a ses fans. On a fait beaucoup de choses. On s'est insulté longtemps avant. Mais ça nous a apporté quoi? Que des blessures intérieures. Parce que nous tous, nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de choses sur Facebook. Notre temps, nous avons perdu des amis. Nous avons perdu la famille. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre les réseaux sociaux. Il y a des moments, tu arrives à un endroit, tu es blogueuse, les gens ont peur, ils disent que non. Faut pas qu'elle me filme, hein. Non, nous on ne marche pas avec les caméras pour filmer les gens, non. Quand on arrive quelque part, on filme, on se filme, c'est normal, c'est une télé-réalité, c'est notre vie. Nous on met la caméra parce que les gens ont besoin de savoir, c'est ça qui fait vivre notre blog. Donc c'est pas parce que nous on arrive quelque part qu'on va filmer les gens. Moi personnellement je ne filme pas les gens. C'est un truc que j'aime pas. Sauf si c'est dans une soirée que c'est public, que c'est mélangé. Oui je peux filmer parce qu'on va pas savoir individuellement que tel c'est tel. Mais comme ça là filmer quelqu'un ça ne se fait pas, non. Ça ne se fait pas de filmer quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment, mais qui ne veulent pas sortir sur Facebook. C'est légitime. Il y a des gens qui nous donnent, qui ne veulent pas qu'on vienne dire que tel, citer les noms. Parce que quelqu'un peut te donner parce que tu es sa star. Ça ne veut pas dire que sa famille n'a pas faim. Parce que la personne préfère te donner à toi qui es sa star. Ça ne veut pas dire que la personne n'a rien à faire avec. C'est pourquoi je remercie tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui m'aident, tous ceux qui prient pour moi. Parce que vous avez vu que ça allait jusqu'à ce qu'un clan de Facebook, qui sont mes soeurs camerounaises, ont voulu traverser mon sang en donnant mes photos dans un autre pays étranger pour que, ou bien on pique les aiguilles pour me faire du mal. Quel star, quel leader peut ne pas condamner ce genre de choses? Quel leader, mes chers frères et sœurs? Comment tu peux être leader d'une team? Tu entends tes combattants dire qu'ils ont donné les photos, même dans la blague, il y a des choses qui ne se disent pas. Et toi, en tant que leader, tu ne condamnes pas, tu ne dis pas non. Moi, je ne peux pas vous dire de tuer quelqu'un. Jamais, non. Pas dans ma team. On commente, on s'insulte, oui. Mais pas dans ma team. Quoi, vous avez donné ces photos et condamné, non. Ce sont des choses très graves. Ce sont des choses très graves. Regardez comment les Ivoiriens s'insultent. Mais ils sont unis. Les Ivoiriens sont une bouche. Ils peuvent se laver. Ils font des plus grosses clashs que nous. Qu'est-ce que les Ivoiriens ne se disent pas? Mais ils sont ensemble. On a créé le blog pour tout le monde. Chacune a ses fans. Personne ne viendra jamais prendre les fans de l'autre. Je ne peux pas prendre les fans de Maman Pépé. Maman Pépé ne peut pas prendre mes fans. Si je lui tourne le dos, tous mes fans qui m'aiment vont revenir derrière moi. C'est ça une star. Personne ne peut prendre les fans de l'autre. Elle ne peut pas prendre les abeilles et je ne peux pas prendre la TKC. C'est comme ça que ça se passe. Et tous ceux qui cherchent la Stamania en parlant mal mon nom, tous ces abeilles qui sont dans les faux profils à me saboter, j'aimerais vous passer un message. Vous êtes venus me soutenir parce que vous avez eu envie et parce que je vous fais passer du bon temps. Ce sont des choses qui ne se payent pas. Le bonheur que je donne aux gens, je suis consciente de qui je suis. Que les gens arrêtent de dire que tu ne connais pas ton importance. Parce que c'est en moussant comme le gari, c'est en moussant comme le tapioca que ça va être que je connais mon... Je suis comme je suis. Je suis quelqu'un de simple, une personne qui ne complique pas la vie et je souhaite qu'on respecte qui je suis. Moi, je suis moi. Compresseur, c'est compresseur. Les autres, c'est les autres. Je ne serai jamais elle. Elle ne sera jamais moi. Je n'aurai jamais son comportement, je n'aurai jamais mon comportement. Parce que nous, on ne triche pas. On ne triche pas. Je suis quelqu'un de vrai, d'honnête, de sincère.
une personne qui est amour. J'ai pas besoin tout le temps de me lever sur Facebook et de convaincre les gens, je suis. Ceux qui me côtoient, ils savent qui je suis. Je ne triche pas. Et je n'ai jamais triché. Hein? Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas pousser une personne, même les plus, je ne sais même pas. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas faire la campagne jusqu'à passer à la télé pour qu'on me déteste. Il faut prendre la première sortie. Comment tu peux faire la campagne pour qu'on déteste ta soeur? Quand je regarde les autres, quand je regarde la veuve, Tata Doudou, Aline Zomobem, tous les autres, ils sont d'une tribu. Eux, ils s'engueulent, ils s'insultent, ils se disent tout, mais ils sont une bouche, ils sont ensemble. Dans 800 mètres, ils sont ensemble. Oui, ils se sont déjà tout dit sur Facebook. Mais ils ne sont pas rancuniers. Ils ne gardent pas rancœur. Un Yaoundé, un Betty ne peut jamais accepter qu'on traverse pour faire du mal à son frère Betty. Jamais. Nous avons tous vu ici. Pourquoi ma propre soeur va passer dans la télé, faire la campagne que j'ai publié sa nudité? Je n'ai jamais publié cette fille. Pourquoi tout le temps? Pourquoi chaque année, il faut toujours que ça revienne? Mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Qu'est-ce que je leur ai fait? J'étais sur Facebook, j'ai eu mes problèmes à l'époque. Ce sont les filles qui sont venues. Elles travaillaient pour Compressor. À l'époque où Compressor faisait les classes, c'est elles qui passaient dans les directs. Est-ce qu'on remet les directs? Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit? Est-ce que sa nudité est sortie le temps là? Qu'est-ce qu'elle m'a dit traiter de tout? Ma mère, tout. Oh, elle n'a pas l'immeuble, elle n'a pas ceci. Tout contesté, elle n'a pas ça, elle n'a pas ci, elle n'a pas ci. Tout. Je n'ai jamais dit que j'avais quelque chose. Mais j'ai plus que certaines. Et je suis fière de l'intelligence, de la sagesse que Dieu m'a donnée. Je ne suis pas l'enfant d'eux. Mais je suis fière de où je me trouve aujourd'hui. De par mes efforts personnels. Nous tous, nous avons fait des saletés. Mais le résultat de chacune qui a fait la saleté, donc c'est quoi? Je vous ai dit que chacun a sa motivation de Mbeng. On vient en Mbeng par motivation. On a un déclencheur, quelque chose qui te déclenche. Mon déclencheur, c'est ma mère. Je suis venue en Europe pour lui donner une belle vie. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi je vais dire que je suis née dans la cuillère en or alors que c'est faux? Pourquoi je vais me raconter des trucs? Quand je suis au Cameroun, je suis chez moi. Je suis chez nous. Je ne me suis jamais inventé une vie. Je ne serai jamais assise que bon, vient me dire que lève-toi, tu mens. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on est pareil? Non. C'est quoi cette haine? Est-ce que moi je rêve de pas? Moi les chaînes de télé me contactent parce que je donne la visibilité à la télé. Comment une présentatrice de télé peut faire le Congo? Ça qu'il y a certains qui ne passeront jamais ici. Hein? Ils ne vous ont pas dit qu'ils m'ont déjà contacté? Ils n'ont pas dit ça? C'est quoi ce truc? Le monsieur qui a publié, j'ai son numéro, qui a fait le sextape. Aline a fait son sextape. Pourquoi vous aimez mettre les choses sur les gens? On va revenir là-dessus. Non, je ne peux pas laisser l'année finie comme ça, quand même. Aline a fait la gnasse avec un gars qui était aux États-Unis. Elle a envoyé 14 vidéos de sextape. Ce n'est pas les vidéos que le gars est dessus. C'est-à-dire que quand elle gnasse avec le blanc, parce que les gens ont leur fantasme, mais je respecte. Quand Enya savait son gars, moi j'ai déjà eu les gars que. Bon. Moi j'ai déjà eu les gars que, bon, quand je suis en train de Enya savait, j'appelle une amie. Je lui dis que mon gars est en train de me gnasse. Oui, chacun a ses trucs, non? Oh, mais c'est comme ça, je fais comment? Je vais tout droit, c'est ça. Hein? Donc, il y a les gens qui ont leur. Chacun a ses fantasmes, non? Hein? On va condamner qui? Oui! Moi, je prends l'exemple sur moi-même. C'est vrai. J'aime. C'est-à-dire qu'il y a les choses que j'aime, mais il y a aussi les gars qui n'acceptent pas. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur rue Matisse. Quand elle lui dit que Nia savait une autre fille devant moi,
c'était le gars qui a servi les gars aussi, qui dit que tu ne seras pas jalouse. Je dis que, mais attends, c'est moi qui te dis de faire, c'est moi qui trouve la fille. Et toi, tu es que je suis jalouse par rapport à quoi? C'est rien. Donc, si un gars accepte qu'on l'attache, c'est un fantasme. Un gars filme, il garde, pour souvent regarder. Et sa femme tombe dessus. C'est qui qu'on doit accuser? C'est le gars. Parce qu'il était négligent. Un truc comme ça, une vidéo aussi hard. Ne nous mentons pas, c'est hard. Une vidéo aussi hard. Parce que moi, c'est que ce sont les blanches qui sont les femmes blanches qui aiment qu'on les attache avec les cordes. Ça, c'est quoi ça? Même si c'est dans la gnasse, il y a des choses que non. Moi, je peux dire que oui, toi, ta paille est plus gros que pour mon. Bon, pas pour mon gars. C'est pas que. Attends, c'est quoi ça? Mais ce sont des trucs qui sont dans la chambre. Qui pouvait connaître si, la femme du gars ne tombait pas dessus? Qui pouvait savoir? Parce que nous, on est là, on fait la grande gueule. On parle fort. Mais derrière, il y a des femmes soumises. Vous imaginez une femme qui est en guerre avec son mari, que le gars veut la quitter. Le gars veut la quitter. Il tombe sur une vidéo d'une fille connue où elle est soumise, on l'a attachée avec les cordes noires. Et c'est dans une clé USB. A vu qui veut voir. Est-ce que la femme se cache? Elle est là. Est-ce qu'elle se cache pour dire qu'elle n'a pas? Elle a ça avec elle. Il faut demander à... Je ne dis pas qu'à l'époque, si j'avais, je mettais. Je ne vais pas vous mentir parce que la façon qu'elle m'insultait... Non. Je ne vais pas vous mentir. Arrêtons qu'on ne publie pas la nudité, c'est vrai. Une personne qui t'insulte te dit de tout et de rien tout le temps, tout le temps. Si on me donnait, je mettais. Mais le problème, c'est que... Non, c'est vrai. Je suis sincère. Si on me donnait, je mettais. Mais à l'époque, là, si on me donnait, je mettais. C'est vrai. Mais quand la dame a donné rendez-vous, parce que qui envoie les photos? C'est la veuve. Elle sait. C'est la veuve qui a eu ça en première. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé la photo, elle n'a jamais nié. Et c'est elle qui a donné mon contact à la dame, que non, comme elle en guerre avec Fleur de Lis là, non, on va tout faire. Et quand j'ai appelé la dame pour donner rendez-vous, que mais je vais voir la vidéo, elle m'a fait écouter la vidéo, mais elle a dit qu'elle ne peut pas donner. Elle m'a fait écouter les cris de la gnasse, comment le gars parle, et tout, mais elle ne m'a pas donné. Dans si c'était comme aujourd'hui. Serré à gauche vers. C'est que je mettais le voix, j'enregistrais même les paroles. La dame là, ça, pourquoi elle ne part pas là-bas à voir la dame mariée là pour dire qu'elle te porte plainte, tu as ma vidéo. Je suis allée nias avec ton mari, ou bien j'étais avec lui avant. On a eu à partager l'intimité. Oui, ce sont des choses qui se font. On partage l'intimité, on partage les trucs. Quand on aime quelqu'un, même nous-mêmes, quand on dit qu'on ne filme pas la nudité, on envoie. On continue seulement d'envoyer. Hein. La nias sur WhatsApp existe vidéo, hein. Et je suis la première. Nias, WhatsApp, j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. Nias, WhatsApp. Branlage, téléphone. Tout ça là. Masturbation en ligne. Téléphone. Que Nias, machin, tout ça là. On fait ça. Mais si tu fais avec quelqu'un qui est mal intentionné, la personne va t'enregistrer. La personne va t'enregistrer. Avant, est-ce qu'on savait qu'il y a des choses comme ça? Il faut porter plainte. Tu dois porter plainte à cette dame. Je suis désolé. Parce qu'une capture d'écran, tu sais d'où la vidéo. Tu sais que c'est une vidéo. Tu sais qui a ça. Tu portes plainte contre le gars. Que non, gars. Comment? J'ai fait ça avec toi. Comment ça se retrouve? S'il a négligé, c'est son problème. C'est à lui d'aller voir avec son épouse. Tu laisses les concernés pour venir voir les gens de Facebook. Moi, je ne comprends pas. Il ne faut pas oublier quand la police, quand un truc sort... On te demande où tu as fait avec qui, première des choses. Hein. Avec qui est-ce que vous avez fait? Qui a mis en ligne? Va porter plainte. Il y a des spécialistes. On va détecter de quel téléphone ça a été mis en ligne. La dame, à toi-même, je t'ai expliqué que je n'étais jamais publié. J'ai reçu la photo, j'avais les doutes. J'ai dit que merde. Et j'ai eu la dame au téléphone. Elle m'avait donné rendez-vous. Sur le disque dur, comment on appelle là? Mais elle s'est dégonflée parce que moi j'étais en train de la. J'ai dit que, mais dis donc. Elle me dit que non, il faut d'abord. Elle dit que si tu ne me donnes pas, je ne viens pas. Elle dit que non, donne-moi d'abord. Oui, elle a pris mon maman. Est-ce que tu peux faire la vidéo? Tu dis, j'ai dit que pour faire la vidéo, donne d'abord
Le truc, elle a voulu tourner. Oui, mon fils, je vais d'abord voyager. Dit que, écoute, elle a dit que je ne veux même plus. C'est moi qui avais dit que je ne veux même plus. La même personne a fait compression à vue. Et quand compression m'a expliqué la vidéo, elle a dit que c'est vrai. Et quand on explique toi-même, tu sais que c'est vrai. Que tu es attaché, tu joues à la soumise. Pourquoi il est là? Le monsieur est là. Il a même déjà eu beaucoup de copines encore. Mais pourquoi tu ne le vois pas d'aller voir sa femme là? Il a prononcé le nom de cette femme. Que c'est ma femme au nom de telle. Elle s'est cachée. Elle a dit qu'elle assume. Elle avait dit qu'elle. Elle a dit. Ouais. Elle a même dit qu'elle ne se cache même pas que ce n'est pas elle. Ils étaient officiellement mariés. Elle a dit que. Je ne me cache pas. Dis que c'est moi. Le gars a prononcé son nom. Il a fait quoi? Pourquoi il n'est pas rentré porter plainte? C'est un monsieur qui m'appelle, qui me dit bonjour. C'est un grand frère que je respecte. C'est un grand frère que je respecte. Mais arrête de nuire les gens tout le temps qu'on a publié ta nudité. Ta vidéo, c'est vraiment excitant. Hein. Mais c'est bien pour des personnes qui aiment des trucs hard. Moi, ça ne m'excite pas. Ça ne m'excite pas du tout. Mais pour des personnes qui aiment des trucs hard, qui aiment la violence, quand il y a certains nombres de choses. Parce que moi, j'ai l'impression que dans certains cas, quand tu es en train de niasse, que tu as déjà peut-être bu ton vin et tout, tout ce qu'on te fait, tu n'es pas au courant. C'est après, à la descente, que tu te rends compte que, ah, on m'a mis dans tel trou, on m'a mis là-bas, on m'a mis là-bas. Il y a des gens qui aiment les femmes qui pissent, les femmes fontaines. Ce n'est pas la pisse, c'est les fontaines. C'est la fontaine. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ça fait zzz, quatrième sortie. Donc, c'est ça. C'est très joli ton film. Tu peux même vendre ça cher, hein. Tu peux même vendre cher. Surtout que franchement, ça a déjà dessus, hein. Tu déjà dessus, c'est propre. Tu ne dois même pas avoir. Tu pourrais donner même à chaque Camerounais qui veut regarder. Chaque Camerounais qui. Mais tu es belle, non? Tu es trop belle. Tu es trop, trop belle dessus. Tu es vraiment belle, hein. Vraiment. Tu es vraiment. Tu es très belle, hein. Vraiment. Moi, ta place, moi, je vends même ça. Moi, ta place, comment ça fait? C'est qu'on vend de côté par tête. 300 là. Il y a encore les DVD, ça existe encore. Moi, ta place, mais attends. Je vends ça sur. C'est quoi là-bas, amateur. Amateur. Quelque chose n'est même jamais sorti. Hein. Quelque chose est passé à l'île même. Elle peut pleurer que ça part, mais ça part. Ich, sale jusqu'à. Ich. T'as pas, au moins, tu es bien épilé. Hein. Dans 300 mètres. C'est propre là-dessus, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Franchement, dans votre touspa, si vous étiez à toi encore avec une gars, ça allait donner. Hein. Il va l'appeler même une gars, vous faites la touspa ensemble. Ça allait être trop excitant. Quoi. Moi, j'aime les trucs comme ça, tu vois. Si vous étiez à trois, que la gnasse à trois, ça allait être trop bien. Parce que tu es seulement avec le gars et il est très brut. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime la sensualité. Hein. Quand un gars cogne comme ça, là, comme celui-là, il tape, il fait les trucs, non. So what qu'on fait les choses comme ça? Par contre, moi, je suis une dominatrice. Oui. La vidéo est très bien. Hein? N'est-ce pas, Makota? C'est bien, hein? Vraiment. Nous tous, même Makota m'avait dit qu'il y a sa part. Il y a sa part, mais elle nous aussi à qui? Puis elle a l'air de porter sa plainte qu'il y a sa part. Tu peux rester avec quelqu'un sans que la personne était ouée. Il y a sa part. Elle n'ose seulement avec qui elle a d'où. Donc, si ça sort, mais oui. Bon, ma copine qui est partie la dernière fois dit qu'à la police, fait la main courante qu'elle a vécu avec telle personne. Et la personne a ses nudités. Oui. Quand tu fais la nudité, tu sais avec qui tu as fait, non? Ce n'est pas comme c'était dans le Waka qu'on t'a filmé en solo, non. C'est un truc que tu as fait avec un gars. Le gars dit bien que j'ai vécu avec. Parce que moi, je peux prendre cette vidéo où le gars dit qu'il a il prononce le nom de sa femme. Et je prends ce que vous avez mis à la télé. Je pars à la police avec. Mais seulement ce que vous avez mis à la télé, vous n'avez pas prononcé mon nom. Il fallait avoir le crack de prononcer mon nom. Apparemment, vous n'avez pas prononcé mon nom. C'est que je prends ça, je prends la vidéo, je pars à la police, je dis, voilà le monsieur qui a fait, voilà la dame qui m'accuse sur une chaîne de télé. Compression a porté plainte. Et c'est ce que c'est faux. Hmm?
J'ai dit que vous aurez dû m'inviter, je participais. Non, la vidéo, là, c'est hard, mais moi, j'aime pas les trucs hard. Même quand je sélectionne les films de la Nias. Quitter une zone de contrôle. Les films de la Nias, moi, je regarde pas les trucs qui sont trop ish. Genre, les choses comme ça, quoi. Où le gars t'oblige à dire certaines choses. Vraiment, vous, les hommes, hein. Dis que tu n'aimes pas tel. Dis que l'autre ne te fait pas bien. Donc, c'est ça qui excite. Maman, il faut ouvrir les portes pour voir. Tu as déjà pris la drogue, Fouquet. J'ai pris, je prends même beaucoup même. J'ai même chouqué même l'autre ce matin. Chérie, toi qui dis que j'ai déjà pris, je prends même. Hein. Tu ne sais pas ça. Moi, je me purge avec le ne pas. Je fume, je bois dans l'eau, je bois dans la bière. Tu ne vois pas l'autre. Tu as déjà... Il faut souvent arrêter de pleurnicher sur vos sorts. Moi, vous allez me voir commencer à pleurer. C'est un truc qui était... La fille, la virule, elle m'avait publié. Les gens m'ont publié ici. Donc, je vais pleurer mon sort toute la vie, maman. Après, la vie ne continue pas. NK a été publié, la vie ne continue pas. Arrêtons un peu, dis donc. C'est quoi? Il faut voir un spécialiste. Quand on est traumatisé par quelque chose, on rencontre un spécialiste. C'est existe. Nous sommes en France, on soigne tout. On soigne tout dans ce pays. Tu vois un spécialiste, tu dis que tu es traumatisé. Point, prenez la quatrième sortie sur périphérie parce que extérieure. Tel t'a fait ceci. Et puis, mais et puis le gars est même en France comme toi. Parce que il est dans un moment où il cherche aussi sa vie. La police au. Oh. Je prends l'autoroute. Les niaisiers. Ah. Autoroute, non. Non. Parce que c'est que si tu portes plainte au gars, sa situation de cas. Igodoua. Il a filé. Mais sa femme a pris. C'est elle qui aura les problèmes. Pourquoi il la protège? Tu vois donc que les hommes sont en train de dire qu'ils ont tel problème avec leur gars. Alors qu'au fond, maman, les bouchons ont. Parce que si toi tu portes plainte, tu dis que le gars, tu pars, il a dans une vidéo où il dit carrément clair et net que c'est ma femme au nom de tel tel qui a pris la vidéo. Tu vas à la police. Dans 200 mètres, utilisez la deuxième. Il sera convoqué. Maintenant, si tu cites mon nom. De Lille, oui. Parce que si tu cites mon nom, on va m'appeler, on va me convoquer. Je vais aller là-bas me présenter. Je ne dis pas qu'elle n'ait jamais parlé avec la dame, si. Pourquoi dans ce pays, pourquoi elle veut mentir? Oui, j'ai parlé avec elle, mais je n'ai rien reçu. Je n'ai rien publié. On ne m'a rien donné. J'ai écouté. Sortez à droite vers un en direction de Lille. Oui, au restaurant, ce jour-là, elle était allée loin. Je me souviens au restaurant, j'étais dans le sud de la France. J'ai dit que mais arrête de parler de moi, te voici. Mais est-ce que j'ai publié que j'ai dit te voici, j'ai montré que te voici aussi qui est 4. Hein? Ne faites pas comme si c'est moi qui ai amené ça. Avant ça, ça avait déjà été montré partout, non? Utilisez donc fichez-moi la paix. Prenez son pâté, portez plainte avec. Pourquoi allons-nous ne pas porter plainte? Allez donc porter plainte, non? Allez porter plainte. Moi aussi, je vais me justifier à la police. Il y a les films amateurs. Je suis allé dans un truc de film. Hein? Moi, je ne sais pas qui c'est. Je suis désolé. Je suis allé dans un truc de... Prenez donc la capture de quand vous partez à la police avec. Je suis allé dans une page, j'ai vu quelque chose qui m'a plu, j'ai pris, j'ai capturé, mis dans mon téléphone. Où est le problème? Après, j'ai effacé. Ça veut dire que vous êtes bête, hein? Donc, vous croyez que c'est comme ça que ça se passe. Le petit truc que vous faites là, c'est le sabotage que vous vous amenez qu'on me déteste. C'est tout. C'est seulement pour qu'on me hait. Mais ça ne donne pas, parce que la vérité est là. Mettez-moi les cœurs partagés. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Nous sommes des stars et chacun a sa star manière à son niveau. Il y a les stars réelles, il y a les stars virtuelles. Moi, je suis star réelle et virtuelle. Non seulement je suis connue dans la vie virtuelle, mais je suis aussi connue dans le réel. Et je ne suis pas une gonflée, une personne qui... je sais pas quoi.
Parce que je vois souvent certaines femmes, c'est pour ça que tu es en train de dire à certaines femmes que laissez chacune avec sa simplicité. Aimez quelqu'un comme il est. Ne cherchez pas que quelqu'un doit ressembler à l'autre. Vous avez déjà vu Coco Emile a cherché à ressembler à NK. Ou bien NK ressembler à chercher à ressembler. Non. Chacun est comme il est. Acceptez comme ça. Arrêtez toujours de dire que oui, tel n'est pas vraiment, tel devait être à tel niveau. Mon niveau que j'ai, c'est Dieu qui décide. Je prends ça comme ça. J'accepte ma situation où je suis. Je vous ai dit que je ne suis pas quelqu'un qui va accrocher son sac où ça lui dépasse. Mais j'ai condamné certaines choses, qu'une star condamne certaines choses. Qu'est-ce qu'une star peut aller jusqu'à dire qu'il a écouté, que j'ai appelé la police? Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Une personne qui entre dans les ténèbres pour me salir. La pétition en est où? Pourquoi vous n'êtes pas parti l'accompagner à la police? Que oui, nous sommes pour rester seulement derrière Facebook parce que vous voulez qu'on me hait. Mais ça n'a pas marché. J'ai été déçue. J'ai été dégoûtée de voir qu'une leader se permet de motiver une personne soi-disant qui était dans ma vie privée. Mais vous cherchez quoi dans ma vie privée? Est-ce que je cherche à entrer dans ta vie privée? Pourquoi vous voulez tout savoir si je dors, si dans ma chambre je dors à gauche ou à droite? Une leader condamne ce genre de choses. Tu as été en couple avec elle, comme tu me dis, mais va là-bas. Va gérer tes histoires de couple. Pourquoi tu viens nous voir? Hey. Allô, Vané? Oui. Attends, je suis en train de conduire, mais attends, je vais t'écouter. C'est comment? Maman, ça va, ma grande? Je suis arrivée hier soir. Il pleuvait tellement que je n'ai pas pu conduire pour rentrer. Je suis restée à Paris, j'ai dormi à Paris. C'est maintenant que je suis en train de rentrer. J'ai été faire les courses, tout ça là. C'est comment? C'est où? À Londres. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Oui. Les Nyamalem Rakata. Oui. 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 C'est quand? Ah, waouh, il y a le temps. Oui. Maman, tu as mis mon nom, non? Ils disent qu'ils me donnent combien? Dieu que me donne 2000, non? Toi aussi, tu es ma soeur. Hé! Hey! Négocie pour moi deux colos, non? Pardon. Hé, hey, donne. Il calamise, hein? Il ne veut pas augmenter. Mais il paye mon billet d'avion et mon hôtel, non? D'accord. Dans un hôtel, l'hôtel le plus chic de Londres. Non, c'est bon. Ok. Oui. Non, ça va donner. Mais donne-moi même deux colonnes. Vous aussi. Non, 1500, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mon billet d'avion, à part. Hébergement et tout. Il y aura les réunions, la conférence, non? Ok. Pas les bébés. Donne-moi les artistes. Dans les artistes. Hiro le coq. Hiro. Ah, Hiro, je le connais. J'ai été en soirée avec lui. Ah oui, Longomba. Chanel. Ah, ok. Oui. Tia, tia, oui, tia. La mignonne, là. Mix premier, oui. Ah, d'accord. Mix premier, bien. Oui, ça va donner. Au Cameroun, tu as pris qui? Petit pays, ok, c'est bon.
Daphné, oui, c'est bon. Loco, c'est bon. Kossi. Kossi Magasco, ok. Mais tu veux pas prendre. Il y a un petit là qui chante le mbolé là. Ouais, prenez le nom. Pardon. Je l'ai vu au Qatar. Ouah, wow, pardon. Il faut qu'il vienne aussi se chercher. Le petit là, non. Les Bangandola. Ouais. Tu es ma fille, non? Tu organises un truc comme ça, oui. Oui. Première édition. Ouais, le petit là, le mbolé, au Cameroun, là même, il y a encore qui compte. Mais ce que tu as pris au pays, là, c'est bon. Oui. Les visas, oui. Ouais, mais elle pouvait retester. Mimi, elle chante. La vie, c'est la chance. Ok. Mais tu mets pas la petite là. La vie, c'est la chance. C'est pas encore bonbon. Et oui, c'est vrai. Parce qu'il regarde aussi ça. Ouais. Pardon, il faut que la Coupe du Monde aux États-Unis, on fait un truc. Hein. Comme il y aura la Coupe du Monde aux États-Unis, j'ai envie de faire un événement feu là-bas. Hein. Je te dis, oui. Non, ton plateau est très bon. Non, le plateau est magnifique. C'est comment tu ne prends pas ma copine? Ma copine. Bon. Qui? Au Niger. Moi, Batouran, qui c'est qui? Flevo, pourquoi pas? Flevo, non. Vous ne voulez pas Flevo? Non, c'est mieux de lancer aussi les nouveaux, c'est vrai. Vraiment, parce que hein, tout le temps, tous les mêmes, oui, c'est vrai, le plateau est bon. Non, le plateau est très bon. Ça va déjà. Donc, dès que les affiches sortent là, on commence, il faut commencer à vendre les billets vraiment avant. Parce que c'est un très grand concert. Oui. Mais dans les blogueurs, ta mère, tu n'as que plus de moi. Hein? Il faut que. Non, ma copine, non. Hein? Comme j'ai mes ennemis partout là. Oui. Mmh. On n'accepte pas, ouais. Oui, il faut donner le CV. Mmh. D'accord. Oui, Camel Life. Ok. D'accord. Non, c'est bon. Il faut nous donner notre CV qu'on se déplace dans le monde. Tu donnes le CV qu'on était au Qatar. Tu donnes les soirées où je vais. Que chaque chose, que ce n'est pas qu'elle est bloguée derrière Facebook. Elle se déplace, on voit. Elle attire la foule et la porte du monde. Et il pense seulement que ce nombre de vues, on ne regarde pas le nombre de vues, on regarde qui est. Oui, que c'est pas un problème de nombre de vues. Non, non, non. C'est pas un nombre de vues qui compte, c'est la popularité réelle. Dans le réel. Voilà. Mmh. D'accord, non, c'est bon. Le plateau est très bon. Pardon, valide mes signatures là-bas. Signe là-bas. Signe-nous les choses. Et comment va le pâté? Oh, les enfants des riches, oh maman. Les enfants bien-nés. Que le Seigneur vous bénisse. Au moins, nous, on mange derrière vous, non? Les enfants bien-nés, oh maman. Oh. L'accueil de ça, arrange bien, non? Non, tu peux être devant que je souffre, maman. Mmh. Je te dis. Je te dis. London, ça va faire mal. Il faudrait que tu me donnes un peu les dates. Je vais prendre un peu quelques contrats là-bas. Même des restaurants, tu vois, non?
mais tu m'envoies les dates. Je suis en train de conduire. Comme je suis sur la route, il pleut même. Envoie-moi tout. D'accord. Tu m'envoies tout. Je vais refaire un shooting photo pas longtemps. Après Noël, là. Je vais faire un shooting photo même en février. Les affiches sortent quand? Oui, tous les contrats. Tu m'envoies mon contrat par mail. Je vais t'envoyer mon mail. Oui, mon passeport, mon mail. Ok, je t'envoie tout ça. D'accord. Je t'embrasse, ma puce. Bisous. Bisous. Courage. Hein, maman? Oui, je vais décrocher, maman. C'est parce que... Ouais, pardon. Pardon. Merci, maman. Je t'embrasse. Bisous. Youpi! Contrat. Contrat. Youpi! Merci. Serrez à gauche vers A1 en direction de Lille. Les blogueurs, quand on est blogueur, on doit aussi sortir dans la vie réelle. C'est très important parce que les gens ne regardent pas les vues. Hein. Tu peux avoir 1 million de vues et dans la vie réelle, personne ne te gère. Donc c'est important d'avoir un CV parce que, je vais vous expliquer, c'est très important qu'une blogueuse ait un CV de partout où elle a déjà été. C'est très important pour les grands événements comme les festivals. Parce que les festivals, les gens regardent non, sur Instagram. Moi, je ne suis pas sur Instagram. Vous imaginez si on regarde sur Instagram. Mais on regarde le réel. Où elle a déjà été, où elle a parti. C'est ça que les vidéos sont très importantes de poster. Parce que quand on te parle d'une personne, d'une influenceuse, les gens ne regardent pas que son mur, elle parle de quoi. On sait que je parle de tout et de rien. Voilà. Mais on regarde dans la vie réelle combien de personnes... comment on appelle là? L'impact qu'elle a sur les gens. Parce que moi j'ai l'impact sur les gens. Hein. Quand ils sont en train de préparer, peut-être en train de manger un truc, ça te fait, tu vas cuisiner ça. Quand je dis un truc, les gens voyaient un peu, c'est très important. Tout ça là sans faire la télé. Est-ce que je suis passé dans les chaînes de télé? Non. Parce que quand il y a un truc, on cite les blogueurs qui sont au Cameroun. Parce que les autres sont blogueurs, c'est vrai. Mais ce pas des gens qui vont dans les événements. C'est vrai. La seule qui fait les événements vraiment en tant que blogueuse, qui fait beaucoup d'événements, c'est moi. Parce que je vis aujourd'hui aussi un peu de ça, hein, sans vous mentir. Donc du coup, quand par exemple, on organise un truc, les gens vont toujours demander que c'est quoi son CV. Où est-ce qu'elle a déjà été? Vous voyez par exemple, je vais être aux États-Unis le 4. Je reviens le 4 mars, j'ai un événement en France, je reviens, j'ai encore un truc aux États-Unis, je repars. Donc, les gens pensent que je voyage seulement qu'on me paye le billet. Non, on me paye, on me donne un cachet. Oui, parce que je vis de quand ils rentrent comme ça, je dois payer mon loyer. Je dois payer mon loyer, payer mes charges. On me choque. Et mes fans, j'ai essayé. Vous avez dit que faire l'entreprise, ça n'a pas donné. Mais je ne me décourage pas. Je suis en train de penser encore à faire autre chose. Mais pour le moment, je vis d'abord de mes voyages. C'est très important. Je vais d'abord vivre de ça. Donc, et pour ça, il y a des trucs que je ne dois plus faire. C'est ça qui vous fait comprendre que je ne dois pas montrer une image de quelqu'un qui déteste les gens. Parce que les autres restent seulement derrière Facebook, derrière l'écran. Mais moi, je sors de Facebook dans du cadre. Et c'est ça que vous devez retenir. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a des choses, je ne peux pas venir sur Facebook. Oui, tellement fait, si je viens, il commence à parler. Non, 2023, il doit changer. Il y a des choses, non. Je ne peux pas venir dire que je déteste tel. Non, même si c'est que la personne me déteste. Je ne dois pas dire ça. Parce qu'après tout, c'est moi qu'on voit dans la vie réelle partout. Laissez-moi les conneries que d'autres disent qu'on les invite, ils ne partent pas. On les invite parce que c'est le jour. On les invite que c'est le jour, ils ne partent pas. Hein? Il y a les gens que quand on m'invite, ils ne se déplacent pas parce qu'ils viennent pour les artistes. Parce qu'ils aiment cette fille, ils aiment comment elle a pu tenir durant toutes ces années d'acharnement. Comment elle tient. Comment elle a pu tenir, quoi. Parce que c'est important, ça. Elle arrive à surmonter ça, elle arrive à tenir tout ce qu'on dit sur elle. Elle est toujours là avec son sourire. Elle ne perd pas son sourire. Comment elle s'occupe de sa mère. Comment elle s'occupe de sa famille. C'est très important. Vous voyez qu'on m'invite pour quoi? Parce que j'apprends aux gens. Parce qu'en moi,
les gens en profitent aussi de beaucoup de choses, des bons conseils. Est-ce que tu dis aux gens de prendre ce qui est mauvais? Il faut copier ce qui est bon. Quand quelqu'un vient dire que je prends ce qui est bon, le reste tu mets à la poubelle. Non, il faut me rappeler, je dois dire, le donné doit écrire ça à Londres, en Angleterre, à Londres, une grande soirée, un festival, donc avec beaucoup d'artistes africains, et puis il y a aussi un autre festival en Suisse avec le festival de la Suisse. Ouais, quand j'arrive à la maison maintenant, je dois cuisiner. Je me repose un peu. J'ai acheté les brochettes. Je vais mettre le poisson congélateur. Parce qu'on va braiser le poisson. J'ai pris le ndolin. Ndolin morue. Maman précise la classe. Merci pour la morue. Oh, c'est déjà fini, ma mère. C'est déjà même fini. Elle n'est plus la morue là. Ça me donne la morue. Donc, liberté, la sensuelle. Je t'ai gardé un truc. Liberté, c'est ma copine. On sera tous en pull de Noël. Vous savez, Noël, j'ai acheté les pulls de Noël là pour tout le monde. On va porter tout ça. Mais Choupi est terrible, hein? Il dit qu'il ne porte pas ça. Ouais, les enfants. En entrée, il y a le foie gras en apéro, en grignotage. On va faire le foie gras. On va faire le plantain tapé avec la viande hachée à l'intérieur. Je vais vous montrer comment ça se fait. C'est haïtien en fait. C'est un truc qui est de la haïtien. C'est très pimenté. C'est du plantain tapé avec la viande hachée dedans. Donc, ça se mange en apéro. Donc, il faut que je prenne du champagne. Les autres ne boivent pas. Ils ne boivent pas. On doit aller faire les courses. Attention, véhicule arrêté sur le bas côté. Sur votre donc, dès que j'arrive à la maison, pendant que Doudou va décharger les valises. Donc, on décharge et on refait directement la valise de Noël. Oh, mais j'ai envie de passer nouvel an. Si le 31, hein, vraiment bon. Je ne sais pas comment le faire là. Donc, j'ai prévu. Ah, j'ai prévu la même chose. Oui, Nolé Miondo, les pulls de Noël, non. J'ai acheté pour tout le monde. On va porter, chacun on porte tout ce t-shirt, des pulls de Noël. Parce que c'est le 24 qu'on est ensemble avec Choupi. Non, les Africains font Noël le 24, hein? Nous on fait le 24. Jusqu'à le matin le 25. On met la musique, on danse. Les autres me disent de ne pas trop préparer. Je vais établir mon menu. Menu bien établi, on va braiser le poisson, le maquereau braisé, le bar. Maintenant, je fais frire le poisson. Je fais frire le poisson, je fais les légumes, non, les tomates, poivrons, je découpe de côté, je fais bouillir. Tu vois les légumes, je fais frire le poisson bien. Après, je jette les légumes dessus. Avec peut-être 3 tomates, pas trop de tomates. J'ai acheté au million d'euros le bâton. Et j'ai oublié le piment. Oh yo! Et pas s'acheter le piment avant de rentrer à la maison. Je vais m'arrêter, j'achète le piment. À Lille, je vais acheter la viande là-bas, le gigot d'agneau. On va macérer le gigot. Il faut qu'on macère ça demain. Parce que les condiments pénètrent bien. Les brochettes, je vais faire avec le cancan. Il y a les brochettes là. On va faire les brochettes aussi. Ouais, j'ai tout acheté. Acheter. Tu as l'énergie. Maman, j'ai le choix. Quand tu sais que tu es seule à faire que je... Est-ce qu'elle veut dire que je me repose? Si elle me repose, qui va faire? Hier, je me sentais pas. C'est pour ça que j'ai pas pris la route. J'ai pas pris la route. J'ai même mal aux yeux, tout ça. Donc, je dois... Voilà. Maman binait toujours. Le gigot d'agneau. Ouais.
un bon gigot d'agneau. Je voulais faire les fruits de mer, mais tu vois, les Africains voulaient faire un beau plateau de fruits de mer. Mais qui va manger? Ça fait trop. Les autres disent que c'est trop. Donc sinon, je partais à Carrefour, j'achète les fruits de mer. Vous savez comment on fait les fruits de mer, non? On achète, on fait chauffer de l'eau tiède. On met dedans, on retire, on met dans le plateau. On met beaucoup de citron. Donc tu achètes des crevettes, les gambas, tout ça. Chaque fois tu tiédis l'eau, tu mets dedans. Tu attends, après tu les sors, tu poses dans le plateau. Après tu arranges bien, tu mets au frigo. Tu fais avec le citron. Après tu mets au frigo le plateau frais. Il y a les sauces déjà faites, la mayo, les sauces pour les fruits de mer. Les enfants, c'est pour la famille. Nouvel an maintenant, nous on part chez Nicole Mara. Nicole Mara sera à Paris. C'est là-bas qu'on va Njokasa. Et j'ai oublié le tarot. Ouais. On va prendre à Lille. Le tarot, mon mortier. Je vais prendre le tarot. J'ai oublié le tarot. J'ai la peau de bœuf. Je vais faire le héros là aujourd'hui. Aime bien manger le héros, donc je fais le héros quand j'arrive à la maison. Là, je ne dors pas, je vais pas me reposer. Ça ne sert à rien. Dès que j'arrive, je fais le héros. Mais maman, là, ne mange pas ça. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Maman, là, ce qu'elle va manger aujourd'hui. Ah, il y a une pharmacienne aux États-Unis qui a donné beaucoup de compléments alimentaires pour la matinée. Merci à la pharmacienne qui a donné des compléments alimentaires pour maman. Même ça. Elle a acheté ça à la pharmacie. Les bonbons. Ce sont des bonbons. Des fruits, non? Mais ça donne l'énergie. Ah, faut-tu aller très fatiguée? C'est vrai. Je suis très fatiguée, mais bon. Est-ce que j'ai le choix, maman? Bon, je vous laisse dans mes cœurs. Je suis sur l'autoroute. Bye. Bisous, bisous. Bye bye. À très bientôt. Et bonne année à tous les blogueuses. Non, joyeux Noël. À toutes les blogueuses sans exception. Arrêtons de pousser les gens à haïr les autres. Ça ne sert à rien. Personne ne prendra jamais la chance de l'autre. Chacune est unique à son genre. Chacune est précieuse à ses fans. Arrêtons certaines manipulations. Ça ne sert à rien de manipuler contre les autres. Ça ne sert vraiment à rien. Je suis une encaisseuse et je suis prête. Je suis prête à encaisser. Je suis orpheline aussi. Hein. Mon père est décédé en 2013. Il m'a laissé ma mère, donc je ne m'en fous pas. Je fais ce qui doit être fier de moi là-bas où il est. Je m'occupe de sa femme. Je m'occupe bien de sa femme pour qu'il soit fier de moi au-delà et pour que la bénédiction descende encore sur moi. Je m'occupe de sa femme qui est là. Je ne me morfonds pas que je suis orpheline. Je ne suis pas une gamine pour pleurer toute ma vie que orpheline a fait que non. Quand un parent part avec le cœur clair sur son enfant, la vie de cet enfant brille. Un parent qui meurt, qui quitte ce monde avec le cœur attaché sur son propre enfant, c'est une malédiction. Un parent qui maudit n'a pas besoin de que te maudit. Quand ton père ou ta mère part avec la colère contre toi, la colère, sache que ta vie ne sera jamais rien. C'est pour ça qu'on doit respecter nos parents quand ils sont là. Respecter les parents, c'est pas respecter les parents, c'est se comporter bien pour que ces parents-là soient fiers de nous. Oui. Quand un parent part avec le cœur attaché, même si tu parles tondo, londo, n'importe comment, ça ne marchera jamais. Il y a beaucoup qui sont malheureuses toujours quand leurs parents ne sont plus là. C'est le regret de ce que ces gens ont fait à leurs parents. De la têtutesse, des mots, du comportement. D'où vient le regret? Ces personnes-là ne regrettent pas parce qu'ils aimaient trop leurs parents. Non.
ils regrettent plutôt ce qu'ils ont fait à leurs parents pour que leurs parents partent sans leur pardonner. Faites toujours tout pour que vos parents soient fiers de vous. Un parent qui est fier de son enfant, c'est pas parce que tu viens lui donner quelque chose. C'est parce que tu respectes ton parent. C'est parce que tu ne parles pas devant ce parent mal devant les gens. Parce que tu ne sabotes pas ton parent. Parce qu'il y a des gens qui sabotent leurs propres parents. Il y a des personnes qui sabotent leurs parents même chez leur tante. Tu vois une fille qui va, elle sabote sa mère chez la soeur de sa mère. Qui connaît les têtes dans une famille. Qui invente que ma mère m'a fait ci, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Tu penses que ta mère partir avec un cœur clair, non. Même si tu vas donner les chèvres au village après, tu donnes les moutons après, ça ne lavera pas ce que tu as fait. La bénédiction d'un enfant vient de par ses parents. Oui, par ses parents. Parce que nos parents nous ont tout donné. Et quand je parle de parents, le parent qui t'accouche et t'abandonne ne peut rien faire sur toi, ça marche. Oui. Un parent n'est pas celui qui t'a mis au monde. Un parent est celui qui t'élève. Celui qui t'élève, celui qui écoute tes pleurs, quand tu pleures la nuit, quand tu as mal au ventre. C'est une femme, quand tu commences à voir tes premières règles, une maman n'est pas celle qui t'a forcément accouché, mais c'est celle qui t'élève. Parce que quand tu commences à avoir mal au ventre, que j'ai les règles douloureuses, qui se lève la nuit pour te donner la serviette, qui prend les fruits noirs pour masser quand les seins commencent à pousser les cerises là, qui masse avec les fruits noirs pour que tu ailles jeter sur un homme en route? C'est la personne qui t'élève, donc c'est ta mère. Et cette femme là qui t'énerve, si tu lui manques le respect, ta vie ne donnera pas. Elle peut te maudire parce que c'est elle qui écoutait tes pleurs, parce que c'est elle qui t'a élevé, parce que c'est elle qui t'a pris bébé, elle t'a tout donné. Ta propre mère qui t'a mise au monde et t'a abandonné ne peut rien faire sur toi, ça marche. Elle ne peut pas te maudire, jamais. Parce qu'elle n'a rien fait pour toi. Elle n'a rien fait pour toi. Comment elle va te maudire? Comment elle va... Elle t'a fait quoi pour toi? Hein? Un parent qui fait, demain tu n'es pas reconnaissant. C'est ce parent qui peut parler mal sur toi, ça agit. Parce que quand on dit que la malédiction, l'enfant... Le parent s'assoit et commence à dire que voilà l'enfant que j'ai fait ci. J'ai envoyé cet enfant à l'école. Pourquoi il y a des personnes qui ont été à l'école même? Qui sont ingrates envers ceux qui les personnes qui leur ont donné l'éducation et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils tombent sur les mauvaises femmes qui mangent tout. Ils font les mariages qui ne marchent pas. Leur vie, ils sont intellectuels, ils ont les bons boulots, mais ils ne sont pas bien. Parce qu'il y a un problème. Quelqu'un t'a élevé. Quelqu'un t'a mis où tu es. Si tu es là-bas où tu es, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un, un oncle qui t'a élevé, qui t'a payé l'école. Tu dois être reconnaissant. Oui, même si tu as subi n'importe quoi. Bon, pas n'importe quoi quand même. Il y a quand même les choses qu'on subit, on ne pardonne pas. Hein. Parce que quand on dit malédiction aussi, ça dépend. Hein, hein. Ah ouais, c'est... Donc, je disais, tu crois que c'est quoi? On dit que la personne a tel poste, la personne travaille, mais la personne n'a rien. La personne tombe toujours sur les femmes qui mangent son argent. Et il vit avec, après il abandonne. La personne est là, zinzin, alors que quelqu'un... Non. Ça vient de quelque part. Va demander pardon à la personne qui t'a élevé, qui t'a donné ton éducation, qui a tout fait pour toi. Parfois, tu élèves ton propre frère, ta propre soeur. Tu payes son école, tu fais tout. Demain, c'est toi sa mère. Parce que tu l'as pris sur ton aile, tu l'as élevé. Tu es peut-être la grande soeur, mais c'est toi qui es la mère. Parce que c'est toi qui lui as tout donné. Donc la personne doit te respecter. Et le respect, ce n'est pas venir donner. Hein? Parce que les gens voient toutes les finances. Et même le respect, c'est aussi donner. Parce que tu peux être milliardaire. On voit bien que tu es milliardaire. Mais tu es là. On voit seulement tes parents qui t'ont élevé, tous ceux qui t'ont vu grandir. Tu ne peux pas dire que tu as un parent qui t'a élevé, qui t'a donné tout, mais la maison tombe déjà. Mais pourquoi tu ne peux pas refaire les travaux? Tu peux subir la malédiction aussi. Mmh.
les gens qui sont là, ils ne font pas la maison de leur, ils ne refont pas la maison de leurs parents. Les tôles même sont déjà tombées. Ils ne font pas parce que pour eux, comme c'est la polygamie, quand on est le plus riche de la famille, même si c'est la polygamie, si tu veux retaper chez tes parents, tu retapes. Pourquoi tu dis seulement que non? C'est pas, c'est tes frères vont venir prendre. Non. Tu fais. Tu vois, ton père peut être fier de toi ou ta mère, que la maison est en train de tomber, non. Les tôles sont là tout pourris, il pleut dedans. L'héritage, ça s'entretient. Quand on laisse l'héritage, ça s'entretient l'héritage, mes soeurs. Parce que nous ne pas seulement dit que nous sommes héritiers alors que c'est en train de pourrir. Hein? Quand on est héritier, on entretient aussi ce que les parents ont laissé. Moi, je vois beaucoup de choses que certains parents ont laissé. Regardez l'hôtel Aqua, c'est Aqua Palace. Parfait Garden, regardez. Regardez. On dit que les familles discutent les biens. Parfait Garden. Aqua. Les herbes ont déjà poussé devant. Sur le balcon. Eh, hey, Seigneur, quand tu n'es pas là, hein. C'est pour ça que chacun doit manger sa chose. On garde pour les enfants. Ces enfants n'entretiennent pas. Ils viennent se disputer pour quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé. Chacun doit chercher sa part. Chacun doit arrêter de compter sur l'héritage des parents. Si ces parents étaient comme vous, ceux qui n'ont rien laissé, si tes parents étaient ingrats, ceux qui ont tout vendu, ils ont mangé, ça avait les bordels. Mais les parents laissent les choses, les disputes de famille. Aussi parce que les Africains ne savent pas faire le testament. Surtout les Bamileke là. Parce qu'il faut faire un testament. Ils ne font pas le testament, jamais. Parce que faire le testament veut dire que, oh, tu veux déjà que je meurs. Non. Il faut faire le testament. Dans 10,1 km. Ici, là, il y a le testament. Hein. Direction de Compiègne Sud. Les gens ne font pas le testament. Quand ils ne sont pas là, les pères Bamileke milliardaires ne font jamais le testament. Jamais. Parce que si tu dis que papa, il faut faire ton testament, on va dire que non, tu veux que derrière que je meurs, hein, tu m'as demandé de faire le testament, tu veux me tuer pour prendre mes biens. Non. Un testament, c'est pour que les enfants ne se disputent pas. Pour des familles de polygamie, là. Parce que dans la polygamie que vous voyez là, hein, il y a tous les jalousies. Aucune polygamie n'est bien. Aucune. Aucune polygamie n'est bien. Je dis ça haut et j'assume. Aucune. Les parents Bamileke, là, ils ne font pas le testament. Jamais. Quand ils ne sont plus là, tu entends comment? Oh, hein, papa avait dit que, il avait dit de bouche, il faut écrire. On ne dit pas de bouche à un ami. Il avait dit à son meilleur ami qui était Pangasi que Pangasi a confirmé. Sans savoir que les gens changent les choses ici là-dehors, même à la chefferie, que les chefs même sont d'abord les grands corrompus. Hein? Non, le père avait dit à papa Ngassi, hein? Voilà ma photo même. Le père avait dit que, hein, chez papa Ngassi, il a confirmé chez papa Ngassi. Machin, l'autre t'attend, jamais. Il avait dit à Massissa, jamais. Massissa, Massissa vient sortir sa part. Hein? Papa Ngassi dit sa part. Parce que chacun a maintenant son héritier. Chacun tire où ça l'arrange. Il faut voir les oncles de banque qui moussent alors comme si c'était eux. Tu entends qu'on commence à la payer le père, maman. Que ton père d'ailleurs il laisse les trucs. Tu vois ton oncle hein, qui ne salue même pas ton père. C'est déjà lui qui vient se placer devant là pour dire que c'est moi qui ai le père maintenant, à partir d'aujourd'hui. Juste à ce que le successeur arrive. Entre temps, ils vont chercher le successeur, leur personne, hein. Parce que c'est celui-là même qu'on va bien corrompre. Voilà les problèmes qui arrivent. Où viennent les machettes chez les Bamileke que tu entends que hein? Chacun, les deuils que tu vois deux successeurs, maman, chaque notable vient avec. Tout ça, vous croyez que s'il y a le testament, il y aura ça. Les papas Bamileke là, vraiment, hein, vous êtes milliardaires, nos papas là, mais faites les testaments. Le testament, il ne veut pas dire qu'on veut te tuer, mon père. Mon père a laissé un testament.
laissé au Pessama à la chefferie et il a laissé aussi en Ngomna. Ngomna, c'est le Ngomna, non? C'est comme ça. Là, c'est indiscutable. Il n'y a pas que on discute que machin, tout ça là. Hein? Les gens sont souvent là, ils parlent qu'ils sont héritiers, alors que dans les testaments, il n'y a même pas leur nom. Hein? Adama, allez vérifier les testaments. Oh, 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 non. C'est d'où viennent les problèmes. Vous voyez un immeuble qui pourrit. Tu vois un immeuble. Dès que ça commence à pourrir, on dit que le père était mort. Ses enfants discutent. Vous discutez un truc que vous n'avez pas travaillé. Vous ne pouvez pas vous entendre que non. Si c'est peut-être, on dit qu'il y a 10 millions. On partage à part égale. Pourquoi l'autre va prendre plus que l'autre? Qui est l'enfant plus que l'autre? On a le même sang. Donc, si c'est 10 millions, divise. On est 5, chacun a 2 millions. Basta. C'est comme ça. Pas que l'héritier va dire qu'il prend d'abord 5. C'est où viennent les problèmes? Parce que celui qu'on met souvent là, ce qu'on met souvent là pour comme héritier là, non. L'héritier principal, le gestionnaire là, il veut toujours prendre plus que les autres. Par rapport à quoi? Entre temps, c'est toujours lui que le père a beaucoup dépensé, payer l'école, payer ceci plus que les autres. Mais c'est lui qui veut toujours plus que les autres. Par rapport à quoi? C'est où la bagarre arrive alors que tu entends qu'on va casser ça. Et il y a les enfants sanguinés ici dehors que non, quelqu'un prend le caterpillar que comme on et casse parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ici là en Europe, même si tu ne parles pas avec ton enfant, on ne déshérite pas. Sur le blanc. Ce n'est même pas que quand un parent n'est pas là, quand quelqu'un décède, on va. Donc l'État même s'il n'a pas le testament, quelque chose qui est rare chez le blanc. Chaque enfant a sa part. C'est comme ça. Ce n'est même pas, même si le père dit que on ne déshérite pas ici. Oui, en Ben, on ne déshérite pas un enfant. Par exemple, en Afrique, un petit truc, le chantage des parents. Hein? Je t'ai donné le mari, tu as refusé, tu n'auras rien. Je change mon testament. Oui, non. Tu entends un parent dire que je change mon testament. Hein? Un bandit, je croyais que tu allais même te marier. Donc tu as refusé le mari qui était donné. Je vais aller enlever mon testament sur toi. Tu n'as plus rien. Ici, on ne fait pas ça. Oh. Laisse ce message. Oui, je suis en train de conduire pour rentrer là. J'arrive, je t'appelle. Je pars de Paris, non. Je suis en train de rentrer à la maison. Je te fais signe. Donc, en France, on ne déshérite pas. Donc, même si le père, non. Vous savez qu'ici, là, quelqu'un habite à 2 km, ne parle pas avec sa mère depuis 30 ans. Mais le jour qu'il daille, on cherche l'enfant légitime. Oui, pour dire qu'il n'est plus de ce monde. Et c'est où tu ouvres le testament, hein? Tu vois donc que ton père a tout remis à l'État. Mais tu as tout ton pourcentage. Oui, c'est où vous voyez ici, on dit qu'on a remis tout à l'État. Ou bien au chat, on a donné au chat. Tu entends que le chat a hérité. Tu entends que le chat a hérité. Il a donné tout à son chat. Il a donné tout à l'État. Mais tu veux avoir l'enfant, tu donnes à l'État. Jamais. Il y a la part de l'État. D'autres donnent dans les associations caritatives. Il y a un chef en Allemagne qui avait hérité tous ses 100 milliards de dollars. Est-ce que vous savez que l'animal le plus riche, c'est un chien, un berger allemand, maman, qui avait hérité? Si vous tapez, vous allez voir. Son maître était là, il n'avait pas d'enfant. Il a hérité, il a hérité au moins 100 millions d'euros. Non, 250 millions d'euros. C'est un chien, il est en Allemagne. Oui, c'est le chien d'un milliardaire allemand là. Et moi, je dis toujours que la personne qui s'occupe du chien là ne peut même pas tuer le chien là.
Le chien l'a donc dans le luxe. Lui-même, il sait qu'il est héritier. Ce n'est pas comme si le chien ignore qu'il est riche. Même le chien là sait qu'il est héritier. Il a les gens qui s'occupent de lui. S'il fait ses manques, même, on connaît des quoi, on le masse. S'il veut la gnasse, on l'amène. Ignace avait d'autres chiens. On le castre même parce qu'on ne veut pas qu'il ait d'enfants. On l'amène, on le promène. C'est un chien milliardaire là en Allemagne. Il y a aussi l'autre, c'est un chat. Donc je disais ici qu'on peut refuser l'héritage en Europe. Si tes parents ont les dettes. Donc parce que quand on ouvre l'enveloppe, par exemple, on dit ce qu'il y a, la personne a laissé. Si la personne a laissé plus de dettes que l'héritage, hein? Si la personne a laissé plus de dettes que l'héritage, tu refuses l'héritage. Comme ça ici, on ne te donne pas l'héritage sans te dire ce qu'il y a derrière. Quand on dit que dans l'héritage, il y a 5 appartements, il y a ceci, il y a cela, mais dans les dettes, la personne doit tel montant. Toi, l'enfant, tu peux dire que... Hein, parce que si tu acceptes l'héritage, tu acceptes avec les dettes. Hein. Quand tu acceptes l'héritage d'un parent endetté, tu acceptes aussi. Donc ici, on peut refuser l'héritage. Tu dis non, je refuse. Là, tu vas pas aller porter les dettes. Tu mets sur ta tête. C'est ça. Tu ne peux pas aussi accepter les dettes. Mais en Afrique, on déshérite. Ici, on ne déshérite pas. Quand tu accouches l'enfant, l'enfant a sa part dans ce que tu as. Donc, c'est le pourcentage de l'État. Donc, dans ce que tu as. Si tu veux, tu laisses le testament ou pas. L'enfant a sa part dedans. Ne m'amenez plus le nom là ici, le nom du chien là ici. Ne m'amenez plus ça dans mes... Je vous ai déjà dit que je ne veux plus. Vous venez fabriquer un sale chien comme ça qui ne fait même pas la viande d'un kilo sur mon mur. Pourquoi? Parce que vous voulez que je parle de la vieille blanche là. Mais fichez-moi la paix. C'est quoi? Si on te tape mes divers, si vous n'êtes pas content, je coupe. Tu m'amènes le nom d'un chien que je connais, c'est le chien ça. Parle de... Comment on appelle l'oiseau qui est petit là? Il y a un oiseau là même que quand j'étais petite, on faisait le... On tendait les pièges de ça. Les petits, petits, le Njangamoto. Les petits, on appelle même le moineau. Tu vois un truc qui est petit comme le moineau, un chien qui est comme le moineau. Un petit chien comme le moineau, qui n'a même pas la chair. Que ça entre que dans la dent comme le cul dent. Tu viens me parler. Quand on parle de la vraie viande, tu me parles d'un petit... Franchement. On parle de la vraie viande avec la chair. Quand tu me parles d'un chien qui ne fait même pas 2 kilos, un chien qui a perdu, soi-disant, tout son kilo, le kilo total, hein, il donne, mais on dit que le chien a perdu 3 kilos parce qu'il a vomi. Ça fait quoi? Un pauvre chien comme ça. On parle de chien riche, toi tu me parles de pauvre chien, mon frère. Le pauvre chien, un pauvre chien qui a faim. Un pauvre chien qui mange que les fraises. Hein? Un pauvre chien, vas-y papa, je te bloque. Et lang noiseau. Et lang, tu viens ici là m'insulter, après tu dis que quoi? Comme une saleté comme ça, c'est donc le nom là que tu as vu que tu peux mettre. Imbécile, lang. Mais si bébé lang et quoi, même lang mais zout. Tu as entendu? Trop ça, tu viens là, tu commentes son mur. Va là-bas aux ténèbres. Tu es ténébreux, va là-bas aux ténèbres. Nous, on vit dans la lumière. Est-ce qu'il y a quoi? Porte quoi? Frère, on parle d'un chien qui a faim, mon frère. Moi, j'ai rempli les courses là. J'ai fait les courses de Noël, peut-être de 500 euros. Net. Parle des vraies choses. Quelqu'un vient me parler d'un chien qui... C'est-à-dire qu'un petit moineau de chien. Un chien qui a la gale. Et d'un chien qu'on a ramassé à la rivière. Hein? Un chien que la vieille chose, elle est partie voler à la rivière. Casser le pied. Le chien la boite. Pauvre pilou. Le chien la boite. Un chien boiteux.
Waka qui tourne la tête. Il vient blanc, et pas dans. Et pas dans les tirer comme c'est la bulle au fofo. Elle devait aller s'asseoir, je m'attends. M'attends, c'est là-bas en Norbat. On vend le ha. Ça, c'est le genre de blanche qu'elle est. Elle arrive au Cameroun. Tu la cherches, il faut aller là où on vend le hari qui le ha. Eh bien, elle va le ha, le dos. Discute le prix. Et là. Toi ça. Importe quoi, il marche avec les chang-chang. Importe quoi, c'est une WhatsApp. Pas les vraies choses, les vrais conteneurs de chiens qui ont hérité. Tu vois, il y a des chiens qui mangent que les fraises. Maintenant que c'est même pas le chien, là va manger quoi. Ich. Chien qui a la gale. Dormi sur mes chaises. Une femme qui a volé le chien, maman. Volé, cassé le pied de ça. Raconte l'histoire qui vivait à la rivière. Elle disait, il était très maltraité. Filou a trop souffert. Filou a trop souffert. Filou a été maltraité par ses anciens parents. Va remettre Filou. C'est de ça qu'il s'agit. Va remettre. Mais une ouate qui a volé le chien, maman, à la rivière. Cassé le pied. Oh, il était opéré. Il est obtus. Tu fait exprès pour qu'on le paie, tu voles le chien. Tu vas rester aux ténèbres. Il est même d'abord noir comme les ténèbres. Les mêmes gens des ténèbres avec leur chien ténébreux. Fais le direct dans la ville. On te voit à la lumière. Ténébreux. Sors comme les autres. Non, mais il faut voir quand les ténébreux sont sortis des ténèbres. Le maquillage professionnel de ça. Hé! Hey! Oh wow, pour finir quoi? Dans la saleté que la caméra s'est tournée où ça fait exprès. Oh. Ténébreux by Borosangi, maman Sarah. Dans 300 mètres. Hey. Pour abonner la deuxième sortie. Demain c'est quel jour? Borosangi où avait le. Je n'ai même plus parlé de ça parce qu'on m'a dit. Mais c'est comment les ténébreux là, vous ne montrez pas votre décoration de Noël. Nous sommes des stars, non? Une star, maman Pépé a mis ça à son tour. C'est très joli, c'est chic, c'est soft. Mais mettez vos trucs de Noël, on voit, non? Une star, mais c'est la pays où nous sommes des stars, nous tous, non? Quand c'est le fait, chaque star met son app de nous, ne voyez pas en Amérique là-bas. Oui, chaque star poste sa déco de Noël, sa table de Noël. Mais nous sommes les stars, nous sommes des stars. Chacun pose sa table, non? Ah. De quoi? Elle est en train de parler de mes choses. Vous venez, je suis arrivé. Prenez la deuxième sortie sur avenue Marcelin Berthelot. Je suis arrivé, j'appelle Doudou et descend. J'appelle Doudou et descend. On va monter les choses. J'ai trop d'affaires. Voilà, mon pied fait mal. Oh, je suis fatiguée, mes jambes. Je suis fatiguée jusqu'à ce que. Si vous dites que je ne suis pas fatiguée, je manque et j'ai mal aux yeux aussi. Tu pourrais me laisser passer. Il y a les gens sur la route. Que... Maman, pourquoi on te laisse passer? C'est nab. C'est le hélélélé. A trop fait le divin, n'est-ce pas? Regardez, je suis arrivé. Une heure, non? Votre cœur filou. Blanche, on dirait que c'est une. Tu sens une personne qui doit aller en maison de retraite, va en maison de retraite? Tatana, tu sais, Coco, danse. Hey!
Akekambunga. 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 Donc elle parle même avec même Akekambunga. Hush, non, vous êtes des diables sur Facebook. Donc Akekambunga était même en contact même avec la blanche là. Mais vous êtes vraiment des paumés, hein. Vous êtes terrible, hein. Et pourquoi tu n'as pas demandé à Akekambunga de te trouver un mari? Hmm? Tu demandais à Akekambunga de trouver. C'est trop genre. Le temps est passé vite dans les divers, c'est vrai. Ouais. Tu sais que quand il fait se passer, je ne veux pas dormir, j'ai sommeil. Parce que vous savez, c'est le matin, je me suis levée à l'heure où on dort, j'ai sommeil en journée. Il me faut quelques temps pour que le décalage horaire. Je ne dois même pas rentrer directement à la maison. Il faut que j'aille chercher. Je vais aller à un petit truc au quartier là. Je dois récupérer quelque chose. Oui, il faut que j'aille récupérer quelque chose. Bon, je ne vais pas à la maison là. Je m'arrête d'abord en route. J'ai failli appeler. Combien? C'est une très belle ville. Hein. C'est calme. C'est une très belle ville. Moi, je suis tranquille. J'aime cette ville parce que c'est loin de Paris. C'est une heure de Paris. Hein. Et je suis tranquille. Je suis tranquille. Chacun gère son couloir. La matière. Même si je vais acheter la maison, j'achète ici, là. J'achète dans cette ville. Ou à Creil. Mais Creil, il y a beaucoup de noirs là-bas. Hein. J'achète ici à Compiègne ou à Creil. Compiègne est bien. Le message des enfants maudits est passé. Mais c'est vrai, non? Est-ce que ça s'arrête? Ça s'adresse pas à une personne en particulier. C'est parce que les gens qui font des choses dans leur vie, ça ne marche pas. C'est parce que ton parent, en partant, était énervé. Donc, même si tu vas sur les tombes, fais n'importe quoi, ça va rien changer. Parce qu'il faut honorer quelqu'un quand la personne est vivante. C'est pas quand quelqu'un n'est plus là que tu dois venir dire que tu dois honorer une personne pendant que la personne est encore de ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. On voit certaines personnes bagarrer avec leurs parents, tout ça. Maman Guylaine Chapuis, bonjour. C'est comment ma mère? Tu vas Guigui? Tu vas bien? Oh, une dame adorable. Quand tu me connais, quand tu veux juger les gens derrière Facebook, vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut plus que les gens fassent détester les autres pour rien. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, chacun vient là. C'est comme ça qu'on a voulu détourner cette dame de moi. Mais elle a compris que c'était des haineux. Elle a compris que je suis quelqu'un de bien. Pas parfaite, mais que je suis quelqu'un de bien. Voilà, elle a compris ça. Oui, combien c'est une ville bourgeoise. Donc honorons nos parents vivants. J'ai appris à beaucoup de personnes à aimer leurs parents, à changer de la façon de voir leurs parents. Moi, Fleur de Lys, et je suis consciente de tout ce que je suis. Moi, je suis motivatrice en fait. Quand tu me suis, tu vas sauf être que motivé d'un moment à l'autre. Tu vas sauf qu'être motivé. Hein? Oui, j'avais oublié le piment. Yeah, d'accord, maman, j'ai failli aller tout droit. Attends, je vais aller prendre le piment. Ouais, je te dis le piment. D'accord, je vais prendre le piment. Je vais appuyer. Oh oui, oui, oui. J'ai envie de tout faire. Je vais prendre le piment. Je vais à ma banque. Seigneur. Ok, je fais le détour. Je vais chercher le piment. Je vais à ma banque. Pardon, suivez mon téléphone, mes cœurs. Hein.
Je vais prendre le piment vite fait là. Et puis je reviens, je vais à ma banque. Je vais à ma banque une fois. Maman, si j'avais même une soeur. C'est pour ça qu'on dit que la famille en Europe, c'est bien. Maintenant, je ne peux pas faire quoi. Je vais rentrer, je vais dormir un peu, je me lève, je vais préparer la nuit. Puisque la nuit, je ne dors pas. La nuit ici, là, c'est la journée là-bas. Donc, tout à l'heure, là, que je m'avais dormi. Je vais aller dormir là maintenant, sachant que je vais me lever après. J'ai acheté les prunes et le plantain du Cameroun. Je vais brûler ça pour maman. Je vais lui faire plaisir. Je lui fais brûler le plantain au four avec les prunes. Ouh, je vais manger le plantain avec l'huile rouge et le sel. Plantain avec huile rouge et le sel, c'est bon ça. D'accord, donc ce que je prends, c'est quoi? J'ai pris la tchéqué pour ma fille ivoirienne, j'ai pris escargot. Donc, vous m'aviez dit que j'ai oublié quoi? Hein, les gens, le piment. Si je vois l'avocat pour maman, Anna, je prends pour son petit déjeuner demain. Ok, je vais me garer. Ça, c'est notre petit centre commercial. Pardon, surveillez ma... pardon, surveillez oh. Les gens. Pardon, surveillez, pardon. Voilà. J'arrive, hein. Tu as l'impact dans la vie des gens. Merci, chérie. Ce que vous faites, vous surveillez mon téléphone. J'arrive. Hein, mes gens. Le tarot. C'est vrai, je vais prendre la ligne, je suis fatiguée. Prends le tarot. Attends, je vais prendre l'argent. Donc, je prends le piment. J'ai pris la bière du Cameroun. Mon portefeuille. Okay. Après, je vais à ma banque. Je pense que si j'entre à la maison, non. Il faut que j'aille à ma banque parce que je dois faire un virement. Les gens, attendez, j'arrive, suivez mon téléphone, pardon. Merci, hein. Je coupe le direct, pardon. Bye bye, mes cœurs. Bye. Je coupe. J'ai besoin de mon téléphone. Bisous.